Veuillez vous lever pour commencer la célébration et vous ne vous assurerez qu'une fois la prière du début, la volée pour l'être de l'amour et après le célébrant principal. Qu'un grand nombre d'entre nous est investi d'une mission.
comme les 72 disciples, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes envoyés en éclaireur pour donner un avant-goût de la bonne nouvelle. Nous avons à témoigner de notre foi, non seulement à l'intérieur de notre cercle religieux, mais au-delà. En tant que baptisés, gardons ferme notre espérance, dans le triomphe final des disciples du Christ, fiers d'annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu sur nos propres vies, sur nos familles, sur notre pays, sur l'Afrique et le monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une voie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous passons à la liturgie de la parole. Soyez attentifs pour retenir ce qui va être lu et proclamé, afin de le mettre en pratique. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 66, du verset. Au chapitre 66, du verset 10 au verset 14 ici. Au dernier chapitre du livre d'Isaïe, invite tous ceux qui aiment Jérusalem et afficher leur fleur pour donner place à la maîtresse par Dieu à qui nous se promise. Et nous sommes avec attention. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur me déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyé sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolé. Vous verrez votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi. Avec la chorale, chantons le refrain du psaume 65. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Chante le Seigneur.
Thank you.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira. Car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient, Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es l'amour du Père et du Fils, nous nous abandonnons à toi, toi qui es l'interprète des saintes Écritures, dispose nos cœurs et nos intelligences à accueillir cette parole qui est esprit et vie, cette parole de Dieu qui est démonstration d'Esprit Saint et de puissance, cette parole de Dieu qui est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Seigneur, je prie pour que nous ne soyons pas simplement de simples auditeurs, des auditeurs oublieux, mais que cette parole s'enracine fermement dans nos cœurs, et qu'elle porte du fruit, un fruit qui demeure, un fruit qui t'honore et te glorifie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
bénédiction, paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Avant de prononcer cette homélie, je tiens à dire toute ma gratitude à mes aînés qui sont ici présents, Seigneur Kimba et l'abbé Innocent, à mon frère, monsieur l'abbé Ali, à mes frères aussi qui sont là, à vous tous. Je bénis le Seigneur et je lui rends grâce et le salut se dira au psaume 102, 103 pour d'autres traductions de la Bible. Bénis le Seigneur pour mon âme, bénis son nom très saint pour mon être, bénis le Seigneur pour mon âme et le livre de Seigneur. J'aimerais en ce jour faire mienne ces paroles du psalmiste. Nous allons écouter les textes de la liturgie de ce jour. Et dans l'évangile, tiré de Luc, chapitre 10, il nous est relaté l'envoi en mission des 72 disciples, à ne pas confondre avec les 12 apôtres, parce que c'est deux choses différentes. Pour ce qui est de l'ailleurs, nous avons précisé que le chiffre 72 nous renvoie au nombre de clans. Le nombre qui a été sélectionné par Noé pour être introduit dans l'arche. En un mot, c'était la totalité des clans qui existaient à cette époque-là. Autrement dit, la leçon de la foi pour nous en ce jour, la première, c'est que nous tous, nous avons part à la bonne nouvelle du Christ. Jésus est mort pour tous les hommes sur la croix, sans restriction. Paix et joie du Christ. Amen. De par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et nous avons reçu le mandat, la mission officielle de l'Église, d'annoncer l'Évangile. Pas seulement en tenant un micro, mais en se donnant un grand village, je ne sais pas, avec un magnétophone, pour dire à tout le monde Jésus t'aime, mais d'abord par le témoignage de nos vies. Est-ce que vous avez reçu? Paix et joie du Christ. Amen. Le véritable témoignage passe par notre style. Et le Saint-Pape Paul VI dira que notre temps d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que le maître ou l'enseignant. Et le fait que je me tienne devant vous aujourd'hui n'est pas une question de mérite, ce n'est pas parce que je suis plus saint ou meilleur que qui que ce soit, c'est le bon vouloir de Dieu. Un peu comme à l'époque de la Vierge, le Seigneur aurait pu prendre une autre jeune fille à Nazareth. Mais c'est sur elle qu'il a jeté son dévolu. Et elle lui dira, tous les âges me diront, bienheureuse. Luc 1, verset 48. L'envoi en mission. À la fin, les disciples reviennent vers Jésus, les 72. Et le texte nous dit, ils revinrent tout joyeux. De ce que les esprits, les démons, leur étaient soumis au nom de Jésus. Et Jésus va ajouter, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Voilà là, bien-aimé dans le Christ, un réel motif de réjouissance et de gratitude à l'endroit du Seigneur qui nous a tous appelés. Vous conviendrez avec moi que parfois, malheureusement, il peut arriver que nous réjouissions des choses qui n'en valent pas la peine, des choses banales. Ici, le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Il nous ramène à l'essentiel pour nous dire que le plus important, c'est le ciel. Et je bénis Dieu. La semaine passée, notre père évêque nous disait que lorsqu'on dit à une personne « je t'aime », ça veut dire en français facile « je veux que tu ailles au ciel ». Alors je vais vous demander aujourd'hui de nous tourner vers notre voisin, notre voisine, et de lui dire avec le plus beau des sourires « je t'aime ». Amen. Pour revenir à la question de la joie à laquelle Jésus fait allusion, la première chose
que nous devons, moins que nous devrions retenir, c'est que la joie est un fruit de l'Esprit Saint. C'est l'état permanent et constant d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Indépendamment des épreuves, des difficultés, des afflictions, des souffrances, des persécutions, des déceptions, des calomnies et j'en passe, nous devons toujours garder dans nos cœurs cette joie qui émane de Dieu. Et ça devait ce beau prénom que nous connaissons tous, Laetitia. Le prénom Laetitia signifie la joie. Cette joie, c'est tellement important que le prophète Isaïe, dans la première lecture, vient de la part de Dieu consoler le peuple qui traverse une épreuve, celle du désert, celle de, j'allais dire, la sensible ou l'apparente absence de Dieu, parce que Dieu n'est jamais absent, bien qu'il soit parfois silencieux, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Et là, le prophète Isaïe, dans le troisième Isaïe, le dernier chapitre du prophète Isaïe, lui, du prophète Isaïe, il leur dit ceci, « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous verrez, votre cœur sera dans la détresse. » Et au début, il dit, « Réjouissez-vous avec Jérusalem. » Un peu plus loin, il insiste encore en disant, « Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. » Il y a une invitation à cultiver, sinon à mûrir intérieurement cette joie. Et ma prière pour chacun d'entre nous ici présents en ce jour, c'est que nous puissions être des personnes toujours joyeuses. Paix et joie du Christ. Amen. Je vais me mettre là pour me sentir un peu plus. Alors, l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, soyez toujours dans la joie. Quand on dit toujours là, ça veut dire que même quand ça ne va pas, il faut quand même que tu sois dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, soyons toujours joyeux? Soyons toujours joyeux. Et selon toi, soyons toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Cette joie est censée nous habiter. Et les disciples, au retour de leur mission, viennent tout joyeux pour dire, Seigneur, tu nous as mandaté, tu nous as confié une mission. Nous venons maintenant de faire le compte rendu. Voici ce qui s'est passé. Les démons sont soumis à nous en ton nom. Ils sont tous joyeux. Et le Seigneur leur dit, d'accord, vous avez des raisons d'être joyeux, mais le véritable motif de votre joie doit être que votre nom soit inscrit dans les cieux. Ma seconde prière pour nous tous ici présents, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de Dieu qui est au ciel. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Néhémie, au chapitre 8, le verset 10 dira encore ceci. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. Comment pouvons-nous annoncer, puisqu'il s'agit d'un mot en mission ici, annoncer l'évangile du Christ, comment nous pouvons être des missionnaires en étant tout le temps mélancoliques, tristes? Comment pour nous qui sommes prêtres, pouvons-nous vous annoncer l'évangile du Christ si nous avons tout le temps la vie en premier, si nous sommes tout le temps tristes? Le témoignage de vie passe aussi par là. Et ce n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieuses, des religieux, de l'évêque. C'est l'affaire de tous les baptisés. Le baptême que nous avons est le même que le pape a, le pape qui a Rome. Donc ce n'est pas la peine qu'on dise, ah, ça c'est pour vous. Nous là, on a autre chose. On se contente de la messe du dimanche, après on dit, Seigneur, pardonnez-moi, je ne suis pas consacré. On dit, consacré, loin du Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quand même sorti de ma bouche. Amen, amen. Amen. Demandons au Seigneur cette joie qui est un fruit de l'Esprit, cette joie qui émane de Dieu,
cette joie qui est dans nos cœurs et qui est censée perdurer. Comment faire pour savoir si la joie que nous avons est celle de l'esprit ou si c'est une joie passagère? C'est simple. La constance, la permanence. Si je demeure toujours joyeux, ça veut dire que cette joie a été infusée à mon âme par l'Esprit Saint. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Donc on va toujours être joyeux. Je vous en supplie, chers frères et sœurs dans le Christ, même si nous n'avons rien retenu de cette méditation, de cette homélie, au moins, en sortant de cette église, retenons que nous devons toujours être joyeux. Et l'annonce de l'Évangile, donc la mission qui nous est assignée par le Seigneur, passe justement par là. Et on ne peut pas être joyeux si on n'a pas l'Esprit Saint en nous. D'où la nécessité de l'invoquer continuellement. Notre Seigneur Jésus, dans le chapitre qui viendra juste après, lorsqu'il fera allusion à la prière de notre Père dans Luc 11, précisément au verset 13, il dira: si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus notre Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Combien de fois plus? Le Saint-Esprit infuse à vos cœurs beaucoup d'autres fruits en dehors de la joie, malgré le fait que nous ayons voulu insister dessus. Et il en parle dans la 5. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité, la longanimité. Voici, chers frères et sœurs, autant d'indicateurs qui nous enseignent et qui nous aident à insérer la présence permanente de Dieu en nous. Je vais m'arrêter par là. Prions les uns pour les autres. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous donne d'être toujours des hommes et des femmes qui sont joyeux. Joyeux à l'instar du Christ. Joyeux même comme Paul, dans la deuxième lecture aussi, dans Galates 6, qui dit que je porte en moi les souffrances du Christ. Mais reste toujours joyeux. Je me rends à la joie. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. De cette joie qui est un fruit de l'Esprit Saint, professons, chers frères et sœurs, ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qui puisse exaucer. Thank you.
nous prions pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, qui doivent porter le témoignage de ton évangile. Que ta parole nourrisse et réconforte ceux qui la reçoivent. Envoie des ouvriers à ta moisson pour que ton règne d'amour et de réconciliation s'édifie et se consolide parmi nous. Toi, le maître de la moisson, nous te prions. Nous te prions pour les gouvernants de ce monde et en particulier ceux de notre pays, qu'ils travaillent à établir la communion entre les peuples dont ils ont la charge et que leurs yeux s'ouvrent sur les besoins des tranches les plus défavorisées de la société. Toi, le maître de la moisson, nous te prions. Nous te prions pour les prêtres et le diacre qui ont été ordonnés le samedi 25 juin 2022 et en particulier pour les abbés Édouard Marc-Arthur qui célèbrent sa messe de prémisse et le diacre Yannick. Qu'ils soient des prêtres selon ton cœur, prompts à annoncer la bonne nouvelle et que leur ministère soit fructueux. Toi, le maître de la moisson, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les malades, les pauvres, les exclus, tous ceux et celles qui sont accablés, victimes de la violence et de la dureté des hommes. Qu'ils sachent qu'aux yeux de Dieu, il n'y a jamais de situation désespérée. Toi, le maître de la moisson, nous te prions. Nous te prions pour les membres de notre communauté et pour les chrétiens de passage. Que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint pour répondre à la vocation qui est la nôtre et pour accomplir notre mission de baptiser. Toi, le maître de la moisson, nous te prions. En union de prière avec Clémence, nous prions pour le repos de l'âme de Florence Binja Sungu, Alexandre Binja, Joséphine Mogissi, Eugène Mbongo. Toujours en union de prière avec Clémence, nous prions pour le repos de l'âme de Mathieu Hervé, Alexandre Ndao, Stéphane Casanelli, Distria Ndao, Jean-Bernard Djodji, Pierre-Philippe Odoudoma et les âmes du purgatoire. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Mathilde Seigneur Dogbo, épouse Adjiwanou, en ce jour de premier anniversaire de son décès, en union de prière avec son époux Adjiwanou Pierre. Pour le repos de l'âme de Justin Ba Ndoundoum, Christine Betoué, Marie Avom Obion, Jean-Claude Mba Akoma, en union de prière avec Françoise Mba. Pour le repos de l'âme d'Augustin Bilala Bimata, Hilaire Mbouba Mata, tous les défunts de la famille et des âmes du purgatoire, en union de prière avec Marie-Pierre Mata. Pour le repos éternel de Freddy, Solange, Will, Marie-Christine, Anaïs, Daniel François Marjolin et Paul-Christian Robineau, ainsi que les âmes du purgatoire, en union de prière avec Denise. Pour le repos de l'âme de Marie-Clotilde Agozano, Joseph-Marie Agozano, Ava, Bella, Dite et Christiane Agozano,
Adolphe Rekundwa et Nicole Nindon en union de prière avec les enfants à Gozano. Pour le repos de l'âme de Marie-Louise Mbumba, Aude Kumba, Maïté, Elisabeth Bindjougou, Jeanne et les âmes du purgatoire en union de prière avec Pauline Pagui. Pour le repos éternel d'Elder Evelyn Evin Ogula, Loïc Ogula Mbumba, Adélaïde Nyomba, Anne-Marie Mireille et les âmes du purgatoire en union de prière avec Clémence. Pour le repos de l'âme de Robert Mondor Memini, Janine Mondoubé, épouse Ekia, tous les défunts de la famille et les âmes du purgatoire en union de prière avec Neiva et Mouan. Pour le repos de l'âme d'Amélie Rachel Panzou, Marceline Pemba Panzou, Bernard Panzou Congo et toutes les âmes du purgatoire en union de prière avec la famille. Écoute-nous, Seigneur. En union de prière avec la famille, pour implorer l'assistance et la protection divine pour le bon déroulement des mariages coutumiers et civils de Tarles par l'intercession de Saint-Joseph. En union de prière avec Georgina Nkoruna, pour implorer la miséricorde de Dieu sur le clergé, que le Seigneur l'aide dans l'exercice de son ministère, que par l'intercession de Saint-Joseph, ils bénéficient des grâces dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. En union de prière avec la coordination pour implorer la protection divine et le bon déroulement de la semaine culturelle du Grand Nord en vacances. En union de prière avec la famille Marjolin pour demander la guérison de Denise et de tous les malades par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Raphaël. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. En union de prière avec Antoine Gnoussa, qui rend grâce à Dieu pour la fin de la neuvaine à Marie qui défait le nœud, et aussi pour toutes les grâces reçues du Seigneur. Avec Nora et Derrick en action de grâce pour la réussite scolaire de leurs enfants et toutes les grâces reçues du Seigneur dans leur vie. Avec Guy en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de sa fille, Stivana, et tous les bienfaits reçus du Seigneur dans la famille cette année. Avec le couple Vincent en action de grâce pour le 29e anniversaire de leur mariage et tous les bienfaits reçus du Seigneur dans leur foyer. Avec Prisca et Philippe Wett en action de grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur dans leur foyer. Avec Laetitia Danis en action de grâce pour la réussite au CEP de Quimpès, Digobé, Gombille et au bac de Danis, Benoît, Soya, Kassa et tous les bienfaits reçus du Seigneur dans sa famille. Avec la famille en action de grâce pour la guérison de Gervais Moussavou et ses 30 ans de service à Gabon Télécom et tous les bienfaits du Seigneur reçus dans sa vie. Avec les responsables en action de grâce pour la fin des activités de l'année pastorale de la communauté des béatitudes et pour toutes les grâces reçues du Seigneur. Avec Mijola et Camille en action de grâce pour leurs anniversaires de naissance et tous les bienfaits reçus du Seigneur dans leur vie. Avec Loris en action de grâce pour la réussite au bac de Aurore Suzette Kunga et l'anniversaire de naissance de Kiss Orphée Madinda et tous les bienfaits reçus du Seigneur. Avec la direction en action de grâce pour la clôture des activités à la crèche des Papillons et tous les bienfaits reçus du Seigneur au cours de l'année scolaire écoulée. Avec Berthe et Edouard Nzengui en action de grâce pour la réussite au bac de Dorlina, le passage en terminale de Dorsel, l'obtention du CEP de Alvin et Roxane et tous les bienfaits reçus du Seigneur. Avec Julienne, en action de grâce pour la réussite au bac d'Emmanuel Ndembi Boussamba et du BPC de Diane Nan Akono et tous les bienfaits reçus du Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Exauce-nous.
dans un instant de silence, ayant en ce jour une pensée pieuse pour toutes les personnes que nous connaissons qui sont en proie à la dépression, au découragement, à la tristesse, à la mélancolie et à la lassitude. Que le Seigneur, par son esprit, mette dans leur cœur la joie qui vient de lui. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute avec bonté les prières de ton peuple ici rassemblé. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Nous passons à la quête et aux offrandes. La quête se fera sur place. Le service d'ordre se déplacera avec des corbeilles à manches. Thank you.
C'est le moment du grand mystère de la foi catholique, où le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Nous allons nous agenouiller à la consécration lorsque le célébrant étendra les mains sur les oblats. Ceux qui ont mal aux genoux doivent s'asseoir. Nous nous lèverons à la proclamation du mystère de la foi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Embrasse au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en chantant. Oh,
est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis, tous nos saints et saintes patronnes, Saint Édouard, Saint Marc, Saint Arthur, Saint Yannick, Saint Désiré, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église et en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, pape émérite Benoît XVI, notre évêque Isébus et Chineke Jo Buenamanago, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, écoute les prières de nos abbés, Edouard et Yannick. Écoute les prières de tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui n'ont plus la joie de vivre. Accorde, Seigneur, la joie profonde. Écoute les prières de tous ces bacheliers qui te rendent grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et que tu as volé l'assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous nos frères qui ont été ordonnés prêtres et diacres hier dans le diocèse de Franceville. Rends le ministère de chacun fructueux et fécond. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. De manière singulière pour Avogat Jeanne, au bon Edou Blandine, Sophie Fall, Flavien Maranga, et pour tous les défunts de nos familles respectives, ainsi que pour toutes les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En récitant la prière de notre Père, demandant au Seigneur de remplir nos cœurs de la joie qui vient de lui, la joie qui est un fruit de l'Esprit Saint. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est un...
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous t'en supplions, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, nos ingratitudes, nos misères, mais l'amour et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole que je s'approche que ceux qui s'y sont préparés et qui se confessent souvent. Avancez avec foi, respect et dévotion, les mains jointes comme les enfants de cœur. Et l'Eucharistie ne se prendra uniquement qu'à la main. Thank you.
âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Que l'ennemi défend-moi, à ma mort appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fait que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Amen. Nous écoutons attentivement les annonces et le programme allant de la semaine du 4 juillet 2022 au 10 juillet 2022. Du lundi au vendredi, messe à 6h10. Cathédrale Saint-Louis. Vendredi 8 juillet 2022, 17h30, messe de miséricorde. Samedi 9 juillet 2022, 7h pile, messe. 17h30, messe dominicale anticipée. Dimanche 7 juillet 2022, 15e dimanche du temps ordinaire à Nessie. 8h pile, messe, accueil du nouveau prêtre. 10h pile, messe. Dépôt des offrandes le dimanche 10 juillet 2022 par la chorale Vox Spiritus Dei. Nettoyage de la paroisse le samedi 9 juillet 2022 par les femmes catholiques. Mardi 5 juillet 2022 à 17h, réunion de tous les membres de Caritas Saint-Louis, la présence de tous est vivement souhaitée. Mercredi 6 juillet 2022 à 15h30, rencontre avec ceux qui se préparent au baptême et à la première communion. Tous les groupes et mouvements sont priés de déposer les rapports d'activité de fin d'année au secrétariat de la paroisse et le rapport électronique auprès d'Armand Mabiala. Le rapport doit comprendre l'aspect spirituel, pastoral et financier. JNJ OIM 2022. Le dernier versement est pour le vendredi 8 juillet 2022 au secrétariat. Dimanche 10 juillet 2022 à 10h pile, messe de clôture de la campagne d'évangélisation des 33 ans du renouveau charismatique catholique de Port-Gentil. Les photos des confirmés et les livrets de catholicité sont disponibles au secrétariat paroissial. Il est demandé à tous les confirmés de ramener les aubes propres chez les sœurs de Sainte-Marie au plus tard le samedi 9 juillet 2022. Chapelle du Saint-Sacrement. Dimanche 10 juillet 2022, 15e dimanche du temps ordinaire à Nessie. 8h pile, messe. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Chers frères et sœurs, c'est avec ces mots du psaume 117 que nous bénissons le Seigneur pour nos nouveaux prêtres et pour notre nouveau diacre. Nous rendons grâce à Dieu pour notre diocèse et pour chaque âme y vivant. Nous tenons par cette note à dire un grand merci à chacun d'entre vous pour votre implication quant à la réussite de l'organisation des ordinations dans notre diocèse. Merci pour vos différentes contributions, prières, quêtes, denrées alimentaires, boissons, participation matérielle, physique, etc. Que Dieu vous le rende au centuple et qu'il nous aide à demeurer dans la fidélité à son amour. Que tout se fasse pour sa plus grande gloire. Il est porté à l'attention du clergé ainsi qu'à l'ensemble des fidèles laïcs, aux hommes et femmes de bonne volonté, qu'il y aura une quête sociale destinée pour le repas des prêtres dans toutes les paroisses à la messe anticipée du samedi 9 juillet et du dimanche 10 juillet 2022. Que Dieu vous comble de grâce et de bénédiction. Le procureur diocésain
l'abbé Innocent, est heureux de vous informer de l'ouverture de notre procure diocésaine située dans l'enceinte de la paroisse cathédrale Saint-Louis, en face du secrétariat paroissial, du mardi au samedi à partir de 8h30. Vous trouverez à l'intérieur de nombreux objets de dévotion de piété, de nombreux objets et dévotions de piété, crucifix, livret de prière, chapelet, livre de théologie, des vêtements et objets pour la messe, chasubles, calices, ciboires, croix d'autel, etc. S'offrir ou offrir un objet de la procure, c'est participer à la mission d'évangélisation de notre diocèse. Venez nombreux visiter notre procure diocésaine. Le président de la commission développement intégral de l'homme, justice et paix, pastoral des migrants, Caritas santé, pastoral de la mer, écologie, convoque tous les membres de la pastorale de la santé de toutes les paroisses et les membres de la fraternité Saint-Camille de l'Hélice à une importante réunion le mercredi 6 juillet à partir de 17h pile à la cathédrale Saint-Louis. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Afin de clôturer les activités paroissiales, le bureau de l'Association des femmes catholiques de la cathédrale Saint-Louis invite toutes les femmes à une journée récréative le dimanche 10 juillet 2022 à la cathédrale. Au programme, messe d'action de grâce à 8h, suivie de l'exposition vente et d'un repas communautaire tiré du sac. Des surprises vous attendent. Le bureau de la pastorale convie tous les pèlerins inscrits aux journées nationales de la jeunesse de Yen à une réunion technique qui se tiendra à la paroisse Sainte-Barbe le lundi 11 juillet à 16h. Par ailleurs, le 7 juillet à 15h, il invite tous les responsables des CPJ à une rencontre d'information. La mission du Christ, c'est aussi mon affaire. La direction de la garderie et jardin d'enfants, Mère Cécilia, informe les parents d'élèves que les inscriptions et réinscriptions 2022-2023 ont bel et bien débuté. Les frais d'inscription et réinscription s'élèvent à 25 000 francs CFA. L'APE, 5 000 francs. Inscription, 20 000 francs. Pour plus d'informations, se rapprocher de la direction ou au 07 47 60 816. 060 04 07 65. Paix et joie de Christ. Paix et joie de Christ. Amen. Paix et joie de Christ. Amen. Nous tenons officiellement à dire merci aux uns et aux autres pour votre implication de diverses manières quant à la réussite de l'organisation des ordinations à la fois pour la messe et au repas. Merci et continuons de prier non seulement pour notre diocèse, mais également pour chacun d'entre nous et pour nos nouveaux prêtres et notre diacre. Nous tenons à rappeler que ceux qui se préparent au baptême et à la première communion débutent la session de catéchèse sur la messe mercredi à 15h30. Mercredi à 15h30 pour 1h30 maximum. Sinon, une heure. Alors, pour la fin de la messe, nous disons déjà merci à l'abbé Édouard Marc-Arthur Ndiaye pour le don de sa vie à l'église particulière qui est dans le diocèse de Port-Gentil. Nous disons merci au diacre, l'abbé Yannick Désiré Ogula, pour son oui au Seigneur. Mais avant, nous voulons rendre grâce à Dieu avec certains de nos jeunes qui ont cru en la présence de Dieu dans leur cheminement vers la réussite au baccalauréat. Et comme la partie adulte est vraiment responsable, va commencer, nous allons demander à l'abbé Édouard et au diacre Yannick de bien vouloir les bénir. Nous allons inviter tous ceux qui ont été admis au baccalauréat à venir se mettre ici à genoux et le nouveau prêtre
et le nouveau diacre vont vous bénir. Et nous allons les acclamer fortement parce qu'ils ont fait honneur à la paroisse. Alors, il faut noter que sur tous ceux qui les accompagnaient, on dit merci également à la pastorale paroissiale, donc la pastorale des jeunes. Et nous invitons également le président de la pastorale des jeunes, Elsa, à être avec eux. Et toutes les personnes qui, de près ou de loin, les ont accompagnés dans cette aventure, cet examen, à venir recevoir également la bénédiction. Pour que Dieu continue de vous accompagner, qui vous aide surtout à demeurer dans sa présence. Alors, on ne va pas les laisser partir comme ça. Rien que pour eux, vous restez comme vous êtes, vous retournez simplement. Et nous allons demander à la chorale de prendre une bonne louange d'action de grâce, avec maximum deux couplets et deux idances pour dire merci au Seigneur. Voilà, idances pour dire merci au Seigneur. Si les danses pas bien, tant mieux pour eux. Voilà, donc personne ne bouge, la chorale. Puissant Dieu, puissant Dieu,
chacun d'entre eux. Rendons grâce à Dieu et prions surtout pour les deux personnes qui ont été recalées, en les encourageant et en leur disant que ce n'est que partie remise. Voilà, donc nous prions pour les deux personnes qui ont été recalées, mais pratiquement tout le monde a eu le bac. Donc nous continuons à prier. Et il ne faut pas ce soir, merci. Il ne faut pas que nous entendions toujours la dernière minute pour accompagner les enfants. Nous devons le faire dès le début d'année. Nous devons le faire dès le début d'année. Donc l'année prochaine, avec la pastorale des jeunes, nous allons nous organiser dès le début d'année pour les accompagner jusqu'au bout. Il y a ceux-là qui ont la volonté, mais qui malheureusement sont délaissés à eux-mêmes. Ils ont besoin que l'Église les accompagne et les aide d'une manière ou d'une autre. Donc merci encore et nous acclamons une fois de plus pour eux. Avant de passer à autre chose, nous rappelons que nous avons déjà inscrit nos enfants pour les JNJ vendredi à cause de Dieu. Venez donner le soir de nuit. Vendredi au plus tard. Mais il faut qu'ils partent. Ils partent au plus tard le 20. Soit qu'il y a une première vague qui part le 18. Et ils doivent envoyer l'argent. Il faut réserver les places, etc. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, tu viens donner ta contribution. Ce que Dieu te dit de donner, tu donnes. Même si c'est 50, donne. Ça va acheter la grâce au passage. Voilà, paix et joie du Christ. Amen. Donc essayons de faire des efforts pour les soutenir. Pour le moment, la paroisse envoie 33 personnes. Donc, quand même, c'est beaucoup, hein. Oui, c'est pas rien. Bon, nous avons voulu dépasser, mais comme nous, on va en VIP, donc ça devient compliqué pour dépasser. Voilà, parce que on a pris le dernier pack, donc on va en VIP. Du coup, c'est un peu fort, mais la prochaine fois, on va essayer de diminuer. Voilà, donc essayons de faire l'effort pour résoudre ce problème le plus tôt possible, pour que vendredi soir, on est bouclé, on est envoyé la contribution de Saint-Louis et on passe à autre chose. Pour les groupes et mouvements, nous attendons, comme vous l'avez écouté, les rapports. Donc si on fait déjà les rapports, ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité. Et vous faites les rapports avec les aumôniers paroissiaux. Donc les rapports doivent être faits avec eux et déposés le plus tôt possible pour qu'à notre tour, nous puissions parcourir et les déposer à l'évêché qui, à leur tour là-bas, parcourt et envoie à Rome. Donc c'est une chaîne. Donc le plus tôt, nous sommes même déjà en retard. Merci de le faire le plus tôt possible. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu avec les deux. Vous savez que pour le moment, l'abbé Yannick, il vit à l'autre bout du monde. Voilà, donc son curé n'a même pas pu entrer parce que la voiture s'est arrêtée en route. Voilà, donc eux ils vivent loin et il faut que nous les accompagnions. Qu'on perd l'avion, même l'avion c'est difficile. Donc il doit prendre beaucoup de pilotes pour traverser, arriver chez lui. Donc nous allons l'accompagner. Et l'abbé Edouard, vous savez qu'il est directeur technique de Radio Sainte-Marie. Et souvent il a besoin des micros, il a souvent besoin des unités pour faire des directs. Les gens sont contents de regarder les directs sur Facebook, d'écouter la radio, mais vous ne savez pas que c'est compliqué. Alors, eux-mêmes, ils vont prendre les corbeilles, et puis chacun va venir. Pas prendre la bénédiction, mais donner la bénédiction. Voilà, donc vous venez, même avec le sac, vous versez comme ça. Voilà, à la fin, on va vous donner ce que nous ne voulons pas quitter dans votre sac. Voilà, donc vous versez seulement le sac comme ça. Les papas, vous mettez la main dans la poche, tout ce que le bras touche, vous faites sortir, vous mettez. Paix et joie du Christ. Amen. Et la chorale nous permet de danser également pour rendre grâce toujours au Seigneur. Merci, nous avons rien pour le...
et nous venons nous incliner simplement devant eux, même si nous abandonnons tous les autres élèves, sans exception. La nouvelle classe en premier. Comme ça, il faut chanter. Thank you.
demander à l'abbé Édouard d'aller s'asseoir et on va demander au diacre de rester là. Soyez tranquille, ne vous pressez pas. On est là toute la journée, on va juste aller avec tout ça. Voilà. Voilà. L'abbé Yannick se met ici. Alors, pour l'histoire, avec la grâce de Dieu, il sera au moins comme diocèse. Peut-être comme paroisse, je ne sais pas, mais comme diocèse, lui, il sera, avec la grâce de Dieu, le troisième prêtre de notre paroisse. Et pour dire que la paroisse produit, et il faut continuer à prier, on va appeler les deux séminaristes qui sont là, parce qu'ils sont à la suite, et ce sont également les fils de la cathédrale. Donc, merci. Ouais. Voilà. Donc, lorsqu'on te rend prêtre, si après toi, il n'y a pas un autre, c'est toi qui as refusé de les opérer. Donc, le premier prêtre a fait en sorte que l'abbé Édouard soit là. Donc, l'abbé Édouard est le deuxième prêtre de la cathédrale, au moins comme le 16. Donc, au moins le premier peut être content, il est tranquille, il a enlevé son corps. Bon, l'abbé Edouard aussi a enlevé son corps parce qu'il y a déjà le diacre qui est en chemin. Donc on acclame pour tous. Voilà. Maintenant, comme lui est encore en chemin et qu'avec la grâce de Dieu, nous le recevrons l'année prochaine lorsqu'il sera prêtre, nous avons quand même pensé à lui donner un petit geste. Et pour avoir ça, ben, il danse. Il danse. Et la chorale même une bonne louange. Voilà, merci, la chorale. Thank you.
Vous allez appeler l'autre qui va chanter après, tout à l'heure. Voilà, donc on appelle l'abbé Edouard, parce que l'abbé a dit que lui il chante, mais c'est l'abbé Edouard qui danse. Voilà. C'est pas vrai. Donc, c'est lui qui danse. Voilà. Bon, lui, vous pouvez le laisser sur la rue, il sait danser. Allez, d'accord, laissez le seul. Il est prêt, non? Voilà, donc, la chorale. Amen.
vie dans ce monde. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Amen. Nous poursuivons tout à l'heure avec le repas en famille. Le repas est tiré du sac et donc nous allons manger ensemble. Si tu ne viens pas, ça veut dire que tu es contre lui. Si tu ne viens pas, ça veut dire que... Si tu ne viens pas, ça veut dire que... Merci. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Paix et joie du Christ. Amen. C'est l'émission suivante maintenant. C'est vraiment une très grande joie de nous retrouver parmi vous ici ce matin du dimanche 3 juillet 2022. Nous commençons par rendre grâce au Seigneur sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Comme l'a dit tout à l'heure l'abbé Gloire dans son homélie, si nous avons été ordonnés aujourd'hui, diacres et prêtres, ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Et pour cela, nous rendons grâce vraiment au Seigneur. Nous tenons à remercier tout d'abord Monseigneur Jésus Kinekesi Ogbona Manahou, évêque du diocèse de Port-Gentil, pour sa confiance en nous. Nous tenons aussi à remercier Mgr Fabrice Kinga, vicaire général et administrateur de notre cathédrale Saint-Louis, à sa suite, l'abbé Innocent, le vicaire, et même l'abbé Jean-Marie, le chancelier qui est absent. Merci cher René pour tous vos encouragements depuis le séminaire. Lorsque nous nous voyons ordonner, ça nous donne de la joie et de l'espoir et de bonne nous. C'est possible de réaliser aussi ce grand désir. Nous tenons aussi à dire un grand merci, bien sûr, à la communauté que vous êtes. Parce que depuis que nous avons obtenu le baccalauréat, respectivement en 2011 et 2012, et que nous sommes allés au grand séminaire pour nous former, nombreux êtes-vous à nous avoir adressé des messages de soutien. Nombreux êtes-vous à nous avoir porté dans vos prières. Et nous sommes conscients que vos prières nous ont quelque sorte poussés. Parce que, comme on a pour habitude de lire souvent au grand séminaire, à un moment donné de l'histoire, ta vocation ne t'appartient plus. Il y a aussi les autres qui y sont associés. Et donc, lorsque le genou fait mal, et qu'on a envie de plier le pied et d'arrêter, on sent que les prières des filles nous poussent, moi les gars, allez-y, allez-y. Ne vous arrêtez pas là. Vraiment merci pour vos prières. Elles nous ont été un grand soutien. Merci aussi pour les soutiens multiformes que vous nous avez adressés. Le chemin n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là et de voir toutes ces belles personnes-là. C'est un grand témoignage. Et surtout les jeunes qui ont obtenu le baccalauréat. Chers jeunes, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est dans vos vies. Vous irez dans les écoles supérieures, dans les universités. Je puis vous assurer, nous pouvons vous assurer, l'abbé Gloire et moi, et même les aînés derrière ici présents, que si un seul instant vous tournez le doigt à Jésus-Christ, vous partez signer l'ombre de monde de signer selon quelque part, votre vie sera complètement détruite. Ça ne vous servira à rien de rouler dans les cylindres climatisés si votre âme n'est pas donnée à Jésus-Christ. Amen. Allô, chers parents. Famille élargie, bien sûr, qui prie aussi ici à la cathédrale Saint-Louis. Merci, merci aussi pour la confiance que vous avez. Merci aussi pour ces beaux conseils. Chaque fois lorsque nous arrivions, ou avant la période de stage ou après la période de stage, nous avions un temps en famille auprès de vous pour nous ressourcer. Merci pour ces conseils uniformes. Et nous n'oublions pas Papa Théophile qui est ici présent, qui a fait le grand déplacement depuis Dakar et s'il peut se lever. C'est le papa de l'abbé Gloire. Le
peut-être vu passer, tellement vu passer. Il y a aussi à côté de toutes ces personnes-là, bien sûr, les religieuses, et en premier lieu, les religieuses de la congrégation de Sainte-Marie, la sœur Esther, la sœur Blanche, la sœur Madeleine. Il y a la sœur Corinne qui malheureusement n'est pas là et que beaucoup connaissent aussi. À côté d'elle, il y a les sœurs bleues, bien sûr, les sœurs aussi de la charité qui n'ont pas cessé de nous prodiguer des conseils et qui nous entouraient de leur affection et qui continuent d'ailleurs de nous donner de leur affection depuis que nous sommes allés au grand séminaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous et que le Seigneur nous le rende sentiment. Nous adressons aussi nos remerciements à tous les choristes de la paroisse cathédrale Saint-Jean. Même absent physiquement ici, la collaboration était bonne. Certains peuvent en témoigner. Nous communiquons régulièrement sur les chants, les partitions, les compositions et autres. Merci, merci beaucoup. J'espère que cela va continuer. Nous ne serons terminés sans remercier les servants de messe. Il est vrai aujourd'hui que c'est toute une nouvelle génération qui est présente. Le temps est venu passer. Les cheveux ont déjà commencé à blanchir. J'ai pris beaucoup de jus. Allez voir les deux costauds. J'espère que tout va continuer dans cette voie-là que vous avez choisi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi. Déjà à Joël qui est présent. Jérémy est allé soutenir certainement la bienvenue à Sainte-Barthe. Oui. Il est aussi de la paroisse cathédrale Saint-Louis. Et il y a Dan qui est tout juste derrière Monseigneur Fabrice, qui cette année, par la grâce de Dieu, va rentrer au grand séminaire au camp du diocèse. Donc... Nous prions pour les vocations, le Seigneur exauce nos prières. Continuons de prier pour les vocations parce que nous avons vraiment besoin de missionnaires. Nous avons besoin de prêtres dans notre diocèse. Vous avez écouté tout à l'heure, Monseigneur Fabrice disait que moi j'habite un peu loin, à notre diocèse, à Goba. Et là-bas, nous avons aussi beaucoup besoin de prêtres, nous avons besoin de la main de Donc, avec vos prières, le Seigneur suscitera les prêtres, les saints prêtres de son diocèse, qui pourront aider dans l'apostolat et puis aider le peuple à se sanctifier. Amen. Amen. Les jeunes, les garçons comme les filles, n'ayez pas peur de vous engager. Dans tout engagement, le Seigneur a déjà fait son pas et c'est toujours lui qui fait le premier pas. Amen. Le pas décisif, il est à notre portée. N'ayez pas peur. Nous avons été au grand séminaire durant 10 années. Ça n'a pas été facile, mais si c'était à refaire, nous le referons éternellement même. Et le grand séminaire est un lieu qui nous a permis de découvrir beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Chers jeunes, nous avons besoin de religieux dans le diocèse. Nous avons besoin de religieux dans le diocèse et nous avons besoin de prêtres. S'il vous plaît, comprenez. N'hésitez pas, chers parents. Si un jour vos enfants vous disent qu'ils ressentent ce désir de rentrer au grand séminaire ou de rentrer dans une congrégation religieuse, n'opposez jamais votre veto. Je vous en supplie. Soyez bénis pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et continuez toujours de nous porter en prière. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. L'esprit de science et un autre, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de guérison, de prophétie, etc. Dans la première aux Corinthiens. Et la grâce que Dieu a faite à notre frère, l'abbé Yannick, c'est le chant. Oui.
et on doit reconnaître et se réjouir des talents que Dieu met dans la vie de chacun. On va lui donner le micro, et il va nous interpréter un petit chant. Il y a déjà quelques compositions. Thank you.
commencer à manger à 13h.